à nos pères dont le nom tire sa source de la langue brom, signifie littéralement une personne qui aime la bonne nourriture, un gourmet. Et ce jour, les fins gourmets sont rassemblés en ce lieu. Anompé est un événement culturel et diététique qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des populations à la consommation et aux vertus des mets authentiques du terroir. Je voudrais, au nom du ministre François-Albert Amicha, maire de la commune de Trècheville, par ailleurs ministre des Sports et Loisirs, au nom du conseil municipal de Trècheville, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue dans la cité historique et cosmopolite de Trècheville. Vous avez les félicitations de M. le ministre Obinna Kwasi-Agbani. Votre initiative est de créer un espace artistique, culturel et gastronomique vient nous conforter dans notre conviction. Un seul mot, la Côte d'Ivoire, une seule phrase. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire est belle. Belle dans sa diversité socioculturelle. Donc, madame, votre initiative reçoit une très haute appréciation de M. le ministre et de M. le Général. Je vous encourage à persévérer. Mais préparez-vous du marché, mais préparez-vous du marché. Oh, c'est les assiettes quand tu as commencé à dire le nom d'une personne, termine. Si tu as oublié, c'est une faute à main, tu vas payer, ça va dans millions. Oh, quand tu regardes une fille à dire danser, qu'elle danse avec un doigt, c'est dire elle est seule. Qu'elle danse avec deux doigts, c'est dire qu'elle est mariée, quoi. Il y a d'autres qui dansent avec trois doigts. Elle est mariée, puis à côté, qui gère un peu, quoi, on ne sait jamais. Mais les hommes, ils sont habitués à danser avec cinq doigts. C'est-à-dire qu'il y a une qui est à la maison, il y a une qu'on ne sait jamais. C'est des démocrates. Oui, les hommes savent partager. Oui, les hommes, c'est les O-positifs. Ils donnent les ions partout. Et ils peuvent donner les sangs à n'importe quel moment. Voilà, c'est ça. Ce genre d'initiatives sont hautement appréciées par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et tout à l'heure, Madame le commissaire Jean l'a dit, ce festival ne vient pas concurrencer tous les autres festivals gastronomiques. Cependant, celui-ci a une particularité. La particularité est qui consiste à faire en sorte que les mets en voie de disparition dans notre pays puissent être connus, puissent être vulgarisés et réhabilités. Je voudrais encore une fois de plus féliciter le comité d'organisation avec à sa tête Madame le commissaire général et surtout au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie souhaiter bon vent à ce festival qui a sa première édition et exprimer la disponibilité du ministère à vous appuyer. J'ai eu l'information de ce festival. Je suis venu pour voir. Et je suis venu avec ma famille, bon, juste les enfants. On a dégusté quelques repas. En tout cas, nous avons une très bonne impression. Et bon, je souhaite d'autres éditions.
Je voudrais saluer tous les partenaires institutionnels, techniques, et presse, qui ont bien voulu accompagner la première édition du festival qui a effectivement lieu. Nous sommes à la cérémonie de clôture. Nous voulons donc dire merci à tous ceux qui ont donc apporté leur soutien pour que cette première édition ait effectivement lieu. Je voudrais saluer tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé à la réussite de ce festival auquel nous sommes en train d'assister et qui tire à sa fin. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, ministère de tutelle, est attaché à tout ce qui est culture de chez nous. Le ministère de la Culture et de la Francophonie appelle de tous ses voeux, en tout cas, toutes les actions qui vont dans le sens de la sauvegarde de nos traditions et de notre culture. Je voudrais donc en cet instant, au nom du monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, déclarer clos ce festival, la première édition, pour que vive la seconde édition l'année prochaine. Je vous remercie. Thank you.